Hello, Dr. G. Hello, coach. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien, je vous. Ça va bien, merci. Vous êtes le premier arrivé. Bienvenue à Ah, d'accord. vous. Et l'exercice, l'expérience, racontez-nous. Comment vous avez trouvé l'expérience de la petite dictée maison? La dictée maison, bon, je peux dire que c'était l'un des points auxquels j'attendais plus parce que c'est en ça j'étais un peu plus habitué un peu partout quand je faisais le coaching. Donc, j'étais habitué à voir les tests et autres. Donc, mon esprit s'était focalisé là-bas, mais avec vous, il fallait plus chercher à écouter. C'était la première difficulté que je me suis habitué à traverser. Mais maintenant, bon, quand cette partie est arrivée, j'avoue que les lettres de l'alphabet, un peu les voyelles qui me mélangeaient un peu, mais en répétant progressivement, voilà, j'ai pu quand même trouver la place le mot correct. Et puis, depuis le premier jour, c'était ça, moi, je cherchais à faire plutôt que d'écouter. J'ai recopié le test. Mais après, quand j'écoute et quand on cause avec vous, je vois que ce que j'ai écrit, c'est pas correct. Et bon, je dis, bon, puis j'ai abandonné, je dis, bon. On va se concentrer sur l'écoute et puis l'oral. Comment écouter, puis comment réciter. Puis bon, brusquement, vous êtes tombé dessus sans prévenir pour dire que bon, on fait le test aujourd'hui. Bon. Parce que voilà. Donc, l'expérience, merci pour le partage. Donc, comme j'ai dit, la formule Z, on écoute pour parler d'abord avant de lire et écrire. Donc, en tout cas, c'est déjà bien d'avoir participé au jeu. Et je pense Bonsoir. que c'était quand Oui. même bon parce que le fait de connaître les mots, bon, pour finir pour les écrire, c'est plus aisé de savoir que c'est ça là que tu veux écrire en réalité. C'est plus aisé que quand tu écoutais. Et puis, bon, avec l'explication, on connaissait déjà les mots qui allaient venir. Donc, c'était plus facile quand même à juger. Effectivement, la formule est juste. Tu as compris, tu as entendu. Tu sais de quoi on parle, et puis maintenant tu cherches à écrire, au fait. Donc, pour finir l'écrit, bon, c'était évident, quoi. On connaissait plus ou moins ce qu'on partait écrire, Wolf, Buffalo, Rose, et tant, tant, tant. On savait qu'est-ce qu'on écrivait, au fait. Contrairement quand on voulait faire le départ, c'est-à-dire le contraire. Et à peine savoir à écrire, mais tu ne sais même pas, tu n'as pas compris que tu veux écrire. Bon, c'était quand même absurde. C'est ça, good point. C'est ça, effectivement. Parce que l'écrit doit être la logique de ce qu'on s'est déjà dit oralement. Mais si on ne sait pas le dire oralement, on n'est pas à l'aise à le dire oralement et qu'on veut tout de suite vouloir l'écrire, on va se concentrer uniquement sur l'écrit et puis même ne pas avoir l'usage de la parole. C'est ça. Bonsoir, Momoana, bienvenue. Moi, j'ai un problème avec les dictées. J'ai toujours détesté le dictée parce qu'il va trop vite. Et hier, à un moment donné, j'étais tellement désespérée. Alors, parce que je suivais, j'ai mis 3 fois la vidéo pour écouter. Et à la fin, j'étais au bout des forces parce que j'étais là presque 2 heures. Et à la fin, je suis allée à pleurer chez Alex. Et il m'a dit, tu sais, parce que j'ai dit, je dois l'envoyer. J'ai dit, je dois envoyer parce qu'elle a demandé d'envoyer ça le samedi le plus tôt possible et j'arrivais pas. J'étais vraiment désespérée. Il m'a dit, tout écrit comme tout le sang. Alors, j'ai écrit comme on fait en italien. Alors aujourd'hui, je me suis pris les critiques de mon fils, de ma fille, parce qu'ils ont dit que je dois faire l'alphabet. Et puis mon fils a commencé à rigoler parce qu'il a dit, on voit que tu es italienne là. Alors, mais j'ai dit, tu as fait la faute, n'importe comment, tu la vas envoyer, tu fais la photo, parce que j'étais là, j'étais, je crois, 3 heures en tout, hein, mais j'étais désespérée. Hein. Mais après, quand je t'ai envoyé la feuille, j'étais très heureuse parce que j'ai dit, tu l'as fait. N'importe comment tu l'as fait, tu l'as fait.
Et puis, tu m'as répondu, je me suis dit, elle est d'accord, même si elle doit. Je me suis dit, ne n'importe pas, mais je dois terminer, ne n'importe comment, je dois faire ma feuille. Merci beaucoup, maman Anna, d'avoir joué au jeu. C'est ça, en fait, la participation. Je ne cherche pas forcément l'exactitude, le fait que ce soit correct. Il suffit de participer, être présent, participer. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, ensemble, aujourd'hui, on va corriger cet exercice. On va voir les lettres. Et puis, ce sera une très bonne révision de l'alphabet. Donc, au passage, votre fille qui vous a, entre guillemets, sermonné de n'avoir pas voulu apprendre l'alphabet avec elle. En fait, cet exercice que nous sommes en train de faire va rejoindre ce qu'elle veut faire avec vous. C'est une façon de vous aider à assimiler l'alphabet anglais plus facilement en utilisant déjà les lettres. Donc, une astuce pour que vous utilisiez les lettres et que l'usage de ces lettres ait un sens, c'est de faire ce petit exercice d'épeler les mots avec l'alphabet anglais. Donc, on dit buffalo. Donc, chaque fois, vous allez entendre B, U, F, F, A, L, O. Ce sera à répéter, répéter tellement de fois. Vous allez assimiler que B en anglais se dit B. U en anglais se dit U. F en anglais se dit F. A en anglais se dit A. L se dit L et O se dit O. Donc, ça, il s'agit de nommer les lettres, la façon dont les lettres sont nommées en anglais. Mais comme je l'expliquais, je crois, dans une séance récente, je disais que quand on se base sur la manière dont les lettres sont nommées, quand on veut lire, souvent c'est difficile de faire la transition entre la manière dont les lettres sont nommées et la manière dont les lettres sont utilisées pour lire des mots. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, buffalo, buffalo. Vous voyez que ce n'est pas dit buffalo. Pourtant, il y a le A en anglais qui se prononce A quand il est nommé. Quand on nomme la lettre A, on dit A. Mais dans buffalo, on a dit allo. Vous voyez? Et puis, buffalo. B, U. Il y a un U là. Le U en anglais se dit ou. Mais regardez, quand on a lu buffalo, on n'a pas dit buffalo. On a dit buffalo. Vous voyez? Donc, c'est ce à quoi vous devez vous habituer. Vous devez savoir qu'il y a la manière de nommer les 26 lettres de l'alphabet. Leur donner un nom. A, B, C, D jusqu'à Z. Et puis, il y a la manière d'utiliser, de lire ces lettres de l'alphabet dans le mot. Et il se trouve que cette manière de les lire est différente de la manière, très souvent différente de la manière dont ces lettres sont nommées. C'est pourquoi je dis et je persiste, ce n'est pas très pratique pour vous de vouloir forcément connaître par cœur les lettres de l'alphabet avant de pouvoir les employer. Mais quand vous allez déjà employer les lettres de l'alphabet, vous allez les connaître naturellement, puisque ce n'est pas aussi différent de l'alphabet français ou peut-être de l'alphabet italien. Bon, bref, nous sommes toujours dans notre exercice. Bonne arrivée, Ange. Bonsoir. Oui, ça, bonsoir. Oui, merci. Bonsoir, Ange. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, permettez que je partage mon écran. Alors, nous avons le texte et nous allons y aller. Je vous invite à suivre attentivement. Donc, je vais faire une lecture simple. CAV English Stories, Story 1. Big Bad Wolf and the Intelligent Buffalo. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy.
One day, the shepherd who was taking the buffalo to graze sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Ahoo! I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I am very curious about this thing called wisdom, too. Okay. Donc, c'est là que nous nous étions arrêtés le dimanche dernier. C'est juste deux pages. La deuxième page, c'est la suite et la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons décortiquer cette première partie du texte. OK? Alors, j'ai fini une première lecture et je vais vous inviter chacun à faire pareil. Alors, qui veut tenter de faire une lecture? Un autre volontaire pour faire une lecture. Oui, Dr. G, allons-y. OK. CV English Stories. Story 1. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo will be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo was very curious about that the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns?
Well, because I plow the shepherd's field and he feed me the best food. Well, how can a shepherd make this big buffalo serve him? Is that a magic can in your hand? No, it is not. The can is that magical. It is our wisdom. The buffalo, the wolf, did not understand what the shepherd means. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now, I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Good, good. Thank you, Dr. G. Well done. Now, Ange, would you please unmute yourself and read the text? Okay. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to grass, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo will be a good lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Well, because I plow the shepherd's field and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this arch buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that magical. It's our wisdom. The world did not understand what shepherd means. Your wisdom. What's that? That's not an answer. No, I can take this buffalo home if I want, but I am very curious about these things called windows too. Okay, good, good. Thank you, Ange. Now, Mama Anna, est-ce que vous voulez essayer la lecture? Je peux essayer, mais pour moi, c'est vraiment le cauchemar. Alors, je ne sais pas, c'est trop. D'accord, il n'y a pas de souci, maman. Je suis désolée, mais c'est trop difficile. Ne forcez pas. Suivez et on va reprendre l'alphabet de chaque lettre. Je voulais dire quelque chose au propos de l'alphabet. Mm-hmm. Quand vous dites les lettres, moi, quand on dit I, moi, A,
Moi, j'écris EI, mais c'est ça. Parce que mes enfants se sont mis à rire, parce que moi, quand j'écris comme on le prononce. C'est ça. Parce qu'en italien, on fait comme ça, on écrit comme on prononce. Voilà. Mais dans le français et l'anglais, on ne fait pas la même chose. C'est ça. C'est ma difficulté. Hein. C'est j'ai ça. Vraiment des problèmes. Mais moi, je crois que je vais apprendre l'italien parce que c'est plus intéressant comme ça. Mais tout le monde qui a étudié l'italien, surtout si c'est des Anglais, il dit que c'est très facile parce qu'on peut vraiment, comment vous entendez, vous le devez dire et lire et écrire. Alors, ils disent que c'est facile. Mais pour moi, écrire l'anglais, c'est le grand cauchemar. Mais vous avez absolument raison, Maman Anna, puisque c'est ce qu'on entend qu'on écrit en italien, alors qu'en anglais et en français, ce n'est pas forcément ce qu'on entend qu'on écrit. Il y a des règles pour l'écriture, et puis il y a les règles pour la prononciation qui sont... Il y a des règles pour l'écriture, il y a des règles pour la prononciation qui sont tout à fait différentes. Mm-hmm. Voilà, c'est pourquoi vous avez cette difficulté. Et là, ça me permet vraiment de comprendre parce qu'on vient de backgrounds très différents. Il y a... Nous sommes francophones à la base, donc il y a une manière dont on conçoit la lecture et l'écriture et le parler qui est différente de ce que les Italiens ont comme background. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi, en fait, il y a beaucoup de dyslexiques en français et en anglais. Parce qu'on dit, que la lettre se prononce en anglais, le A, ça se dit A. Mais dans un mot comme ici, par exemple, je prends « when animals », vous voyez, il y a deux façons de prononcer le A. Dans « animals », il y a « a », « any », et puis il y a « o ». Animals. Donc, la seule lettre A se prononce E et puis se prononce O. C'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude. Mm-hmm. Voilà. En italien, par exemple, Mamana, comment on dit animal en italien? Animale. Animale. Et comment ça s'écrit? Animale. Okay. Animale. Animale. Au singulier, c'est animale. Animale. Donc, ça s'écrit comme ça s'écrit en français, c'est ça? Comme on le dit, non, animale, s'écrivait, on écrit animale. A-N-I-M-H, animale, L-E. Exactement comme on le dit. Vous voyez? Aussi simple. Alors qu'en anglais, on va dire animal. Oui. Il y a deux façons de dire la même lettre dans le même mot. Ça, c'est déjà une difficulté en soi. Mm-hmm. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à ça, la transition est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile. Vous voyez? Oui, je sais, je le vois, je le sens. C'est ça qui fait le défi. Il y a l'épellation du mot, il y a l'orthographe du mot, et puis il y a la nomination des lettres qui est différente. C'est vraiment le parcours du combattant. Donc, ne vous torturez pas à ces moments, à suivez seulement. Et puis, au fur et à mesure, on espère que, voilà, ça ira. Oui, je suis là, hein? Toujours d'accord. Là. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va aller mot par mot et on va voir ensemble, épeler les mots ensemble et voir comment ils s'écrivent. Et ça va vous permettre de réviser encore l'alphabet. Mais avant, je vais fermer l'écran et puis je vais ouvrir une autre page avec les lettres de l'alphabet. Je vais ouvrir une autre page Word où il y aura les lettres de l'alphabet et comment elles se prononcent. Voilà. Donc, un instant. K, L, M, N. OK. C'est 26 lettres, hein, voilà. Pas que je me trompe. P, Q, O, Q, R, S, S, T, Q, V, W, X, O, X, Y et Z. Voilà. Donc moi,
je veux faire ça et vous permettre de juste un petit moment. Voilà. Donc moi je vous affiche maintenant les lettres de l'alphabet. Je vais essayer de grandir un peu les caractères. Et puis voilà. Donc je vais faire en caractère vraiment grand. Disons, on va aller à 26. Encore plus grand que ça. Ok. Donc je suis même allé à caractère police 32. Ok. Voilà. MN. Alors, sur ces lettres de l'alphabet, voilà. 13 de part et d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 13 et 13 qui font 26. Donc, je vais faire 13 lettres d'un côté et 13 lettres de l'autre côté. Pour que ça équilibre normalement. À moins que j'ai mis une lettre à part. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Voilà, je savais que j'avais oublié une lettre. K, L. Ok, c'est bon. Wow. Donc, voici pour vous nos fameuses lettres de l'alphabet. Et je vais vous les afficher maintenant, après mes petites gymnastiques. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les lettres, non? Oui, oui. Ok, ça marche. Super. Oui, oui. Ok, donc on va aller ensemble. Un petit récapitulatif. Donc, je lis les lettres telles qu'elles sont. C'est deux colonnes de 13. Il y a 13 lettres. Donc, deux colonnes de 13. Voilà, quoi que comme ça. Donc, A, B. Ok, Léon, il y a deux fois N dedans. Ah, voilà. Et pourquoi? Excusez-moi. Vous voyez. Alors que je connais bien l'alphabet. Hein. Et merci, docteur Chi. Je suis allée moi-même me mélanger. C'est 13 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. En fait, j'ai oublié la lettre O. C'est drôle. Voilà, merci, docteur Chi. C'est bon maintenant. Voilà, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, le compte est bon. Ok. Ça arrive des fois. Voilà. Donc, comme quoi, on peut oublier son alphabet. Alors, si je repartage enfin. Ok, c'est bon. Les 26 lettres sont là, pour de vrai. Donc, on y va. Je vais vous lire comment on nomme ces lettres en anglais. Vous allez voir que quand elles se retrouvent dans les mots, elles ne portent pas toujours le même nom. Comme ça se fait, par exemple, en italien. C'est ce qui rend un peu la chose difficile pour nous, les francophones. Mais on doit faire avec. Hey! B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z. Voici. En français, évidemment, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors, je vais demander à maman Anna, est-ce qu'on a le même alphabet en italien? Est-ce que c'est les mêmes 26 lettres? Oui, c'est les mêmes lettres, mais on les prononce différemment. Donc, allons-y en italien, s'il vous plaît. Comment on les prononce en italien? A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, H, H, non, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, je me rappelle plus comment on dit la W. X, I, Z. Ok. Normalement, on dit doppia V. Doppia V. Doppia V, ok. Oui, si, parce que c'est deux. Deux V. Oui. Okay. Pour nous, c'est comme ça. Ah, doppia V. Vous voyez? Donc, la prononciation, mais quand on dit un mot comme... est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un mot en italien et puis nous épeler le mot avec les lettres telles que c'est dit en italien? N'importe quel mot. Le mot de l'histoire? Par de exemple? Notre histoire? Oui, n'importe quel mot, oui, de notre histoire. Un mot qui se dit en italien. Le shepherd, c'est pastore. Shepherd, pastore, ok. Donc, pastore. Allons-y, épelez-nous les lettres qui sont dans pastore. Oh là là, pastore. Alors, c'est P, P, S, T, T, O, R, E, pastore. Mais il y a A dedans, non? Après le P. Ah oui, je me suis trompée là. Maintenant, vous avez l'italien mieux que moi. Non, en fait, il y a un joueur qui s'appelle Javier Pastore. Un joueur argentin. C'est Pastore. C'est P-A-S-T-O-R-E. Pastore. Ah, d'accord. En fait, il y a un joueur de football qui s'appelle Javier Pastore. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont immigré en Argentine, donc il y a beaucoup d'Argentins qui ont des noms italiens, comme Messi, par exemple. Si, si. Voilà, comme des blancos, voilà. Donc, il y a cette connexion. Donc, ça fait que quand il y a des personnes populaires qui ont des noms, qui se rapprochent plus de noms italiens, donc c'est plus facile, en fait. Mais sinon, je comprends aucun mot d'italien. à part buongiorno. Bonjour. Ok. Donc, vous voyez, en fait, les lettres de l'alphabet, vous voyez que maman Anna, elle est italienne de naissance. Je suis francophone, je parle français. Mais vous voyez qu'on oublie quand même notre propre alphabet à nous. Est-ce que vous voyez un peu, maman Anna? Vous, l'italien que vous parlez depuis votre enfance, mais il vous arrive à avoir d'oublier des lettres. Comme moi, j'avais oublié le O dans l'alphabet. Moi, j'ai oublié la. Mais vous savez que je suis ici au Luxembourg, ça fait presque 40 ans. Et parfois, il y a juste Alex qui parle italien avec moi. Même mes enfants préfèrent parler le français avec moi que l'italien. Alors, quand je vais en Italie, on me prend pour une Française. D'accord, je comprends. En fait, je suis plus italienne, moi, parce que quand j'ai l'accent, je parle tout le temps français. Alors, quand je vais en Italie, m'appelle Francesina, que ça veut dire française. Ah, d'accord. Je vois. Donc, à force, parce que quand on n'utilise pas quelque chose, on finit par perdre l'habitude, même quand c'est notre propre langue. Vous voyez? Ça arrive, ça arrive. Ok, merci beaucoup. Alors, l'alphabet anglais, je vais reprendre, juste pour vous briefer, et puis on va aller sur le texte. Donc, le A
et la première lettre, c'est ei. Ei. Donc, prenons, on va prendre chaque lettre de l'alphabet et on va aller dans notre texte et on va voir comment le A est le A en anglais est décliné de plusieurs façons. Si on retourne à notre histoire, once upon a time, once upon a time. Vous voyez que là, ça se prononce E. E. Once upon a time. When animals. Vous voyez le texte, non? Le texte s'affiche chez vous? Parce que là, je suis sur le texte. Est-ce que le texte s'affiche à votre niveau? Oui. OK, super. When animals. 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 Pourtant, le A se prononce A. Mais dans animals, on a deux façons de dire le A. On a E et on a O. Animals. Still head. Still head. Donc ici, on a head. Head. Encore une autre façon de le prononcer. The ability. 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 Vous voyez? To speak. Bon, ici, il y a le A, mais ce n'est pas... C'est comme une voyelle composée. E et A. Ça donne I. Speak. A huge. A huge. Buffalo. Buffalo. Olo. Olo. Was. Was. Ça, c'est carrément différent. La lettre se prononce A. Mais ici, ça se dit was. Was. Living on the shepherd's farm. Farm. La lettre c'est A, mais dans ce mot spécifiquement, ça se prononce O. Farm. Vous voyez? Alors, c'est vrai qu'il faut connaître les lettres A, B, C jusqu'à Z. Mais le plus important, c'est l'utilisation de ces lettres dans les mots et leur prononciation. C'est pourquoi je vous emmène à vous focaliser sur la manière dont les lettres sont utilisées et puis après vous référer progressivement à l'alphabet. Parce qu'il est important de connaître l'alphabet. Par exemple, si on vous épelle quelque chose, on vous dit que ce mot s'épelle. Shepherd s'épelle. Shepherd. S-H-E-P-H-E-R-D. Donc, quand vous avez le nom de la lettre, vous pouvez facilement épeler un mot et vous pouvez facilement reconnaître comment le mot s'écrit. Voilà. Mais en dehors des cours de dictée, honnêtement, en dehors de certaines circonstances très rares, ou bien quelqu'un vous dit son nom et vous lui demandez, est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom? Donc, on fait appel à l'orthographe quand on veut être sûr de la manière dont on va écrire le nom de quelqu'un et tout ça, où on fait appel à la façon d'épeler. Là, on cite lettre par lettre. On cite chacune des lettres qui se trouvent dans ce mot. Mais honnêtement, ce sont des circonstances qu'on rencontre rarement dans la vie de tous les jours. Vous voyez? Parce que tous les jours, on n'est pas en train de réciter l'alphabet. On est en train d'utiliser les mots qui sont des groupes de lettres combinées ensemble et prononcées pour transmettre un message. Voilà pourquoi on ne s'appesantit pas sur l'alphabet en tant que tel. Quoi qu'il est bon de connaître l'alphabet, de connaître le nom des lettres, mais quand on vient d'un background italien comme maman Anna, ça va prendre un peu de temps pour s'habituer. Mais il ne faut pas se casser la tête, il faut se concentrer sur l'utilisation des mots. Vous voyez? Alors, donc, nous avons notre texte, notre mot. Oh, on a le texte, on a vu. On va voir que dans le texte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots qui se... Il y a beaucoup de mots qui se répètent, en fait, dans le texte. Oui, maman Anna! Problème parce que une fois des shepherds est marqué avec des S,
avec le, et l'autre, c'est marqué seulement que ça finit sans la S. Ah, d'accord, oui, je vais vous expliquer ça. Donc, je vais prendre vos questions comme ça par rapport au texte. C'est une très bonne question, maman Anna. Ici, shepherd, ici, il y a un shepherd avec apostrophe S et un shepherd sans apostrophe et sans S, et écrit simplement. L'apostrophe S ici, est, en anglais, c'est mis pour marquer la possession. Quand quelque chose appartient à quelqu'un. Ici, c'est the farm of the shepherd. Donc, au lieu de dire the farm of the shepherd, on dit the shepherd's farm. Shepherd's farm. The shepherd's farm or the farm of the shepherd. Voilà. Je prends par exemple, je veux dire la fille de maman Anna. Maman Anna's daughter. Maman Anna's daughter. Or the daughter of maman Anna. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour tout ce qui est possession, pour tout ce qui appartient à une entité, pour marquer que ça appartient à la personne, on met l'apostrophe S. Donc, ici, c'est pour expliquer que la ferme appartient au berger. C'est une marque, c'est la marque de possession en anglais. The shepherd's farm. OK? Donc, ici, c'est différent du pluriel. Si c'était... On parlait de plusieurs bergers. On allait dire many shepherds. Many shepherds. Plusieurs bergers. Là, il y allait avoir juste un S, mais le S allait être collé au D. Shepherds. Pas d'apostrophe. Là, c'est juste pour exprimer le pluriel. Plusieurs bergers. Mais là, c'est pour exprimer la possession. OK? So, once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. Je crois que dans l'histoire, c'est on a shepherd's farm. Bon, peu importe. A, the, c'est vrai que ça, a et puis the, c'est différent, mais ici, c'est pas trop important. On the shepherd's farm. OK? Alors, moi, je vous pose la question. En voyant le texte, et en vous référant à l'audio de l'histoire, on va aller ensemble sur les mots qui vous sont encore difficiles. Maman Anna a relevé tout à l'heure apostrophe S. Donc, chacun prend la parole et puis il dit quels sont les mots qu'il trouve compliqués dans la prononciation, par exemple, ou dans la compréhension. OK? Et puis, on va évoluer comme ça. C'est ça, en fait, décortiquer maintenant le texte de l'histoire. Décortiquer chaque mot. On va aussi partir dans des formules grammaticales parce que la question de maman Anna tout à l'heure, ça se réfère à la grammaire. Shepherd's farm, donc le signe de possession. Ici, c'est typiquement de la grammaire. Mais c'était parmi vous, dans votre lecture, je voyais que vous avez encore des difficultés au niveau de la lecture. Quand vous allez vous référer à la vidéo, vous-même, vous allez voir, je voudrais que vous compariez votre manière de lire et puis l'audio originel de l'histoire, vous allez voir la différence. Il y a certaines prononciations, parce que quand certains éléments ne sont pas bien prononcés, ça peut prêter confusion. Alors, je vous écoute, hein, vous avez la parole. Les mots qui vous sont encore difficiles dans la prononciation ou même dans la compréhension, on va les parcourir ensemble. Oui, Dr. G. Pour moi, c'est le mot shepherd. C'est shepherd ou bien shepherd. OK. Vous prononcez ce mot, vous allez faire un exercice. Vous le prononcez en deux temps. Vous le prononcez en deux temps. Shep, shep. Et après, vous dites herd. Shep, herd. Shep, shep, herd. Shep. Heard. Shep. Shep. Heard. OK? Docteur, Docteur G. Shep. Heard. Maintenant, essayez de coller les deux ensemble. Shepherd. Shep. Heard. Shepherd.
Shepherds. Shepherd. Shepherds. Good. Voilà. Ok, shepherd. Merci. Shepherd. Merci beaucoup. Parce que en fait, c'est deux mots collés. Herd, herd, ça veut dire troupeau. Herd, c'est ça qu'est le troupeau. Shep, c'est un peu comme le guide du troupeau. Vous voyez? Donc, quand on dit shep, herd, c'est comme le guide du troupeau ou le chef du troupeau. Shep, herd, shepherd, shepherd. Oui, Ange. Oui, moi, c'est les premiers mots même. Voilà pourquoi l'histoire a été un blocage, un bon moment. Once. Once upon a time. Once. 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 Oh. Hein? One. One. Once. Once. Vous dites, vous prononcez ça en deux temps. One. One. Et puis ce. Once. 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 Encore? Once. Voilà. Once. Parce qu'il a fallu que, bon, c'est après, quand on a commencé à raconter l'histoire, c'est là que je me suis rendu compte, effectivement, du mot. J'entendais que autre chose carrément. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on dit once, regardez toutes les lettres qui sont dans le mot. O, N, C, E. Donc, si on devait prendre la manière dont les lettres sont nommées en français, en anglais, ça devait être par exemple on si. Si on peut-être en italien, ça aurait été plus facile. Mais en anglais, on va pas dire on si. Si on doit se baser sur les lettres de l'alphabet en anglais, normalement la prononciation de ça devait être on si. Mais non, les Anglais disent once. Les anglophones disent once. Et c'est comme ça, c'est la règle de la prononciation en anglais qui le veut. Donc, c'est pourquoi moi, ayant compris cela, ayant compris que la prononciation est très différente des lettres elles-mêmes, je vois qu'il est plus intéressant pour l'apprenant de se focaliser sur les sons des mots, d'emmagasiner les sons dans sa mémoire sonore et après de se référer au texte. Sinon, ce sera du genre parce que si vous êtes basé sur le texte, comme tout à l'heure vous le constatez, vous voyez que le texte vous avez toujours vu comme ça, peut-être vous avez le prononcé en français, mais à l'oral, le son c'est différent. Donc autant vous habituer au son d'abord, et puis après vous vous référez au texte, et vous voyez que, comme docteur l'a dit tout à l'heure, c'est ça qu'on disait, en fait c'est comme ça que ça s'écrit. Et puis quand vous avez déjà le son dans vos oreilles, il vous suffit juste de matcher le son à sa représentation écrite. C'est tout ce que vous avez à faire en matière de lecture. Vous avez le son et puis vous avez sa représentation écrite. Mais si vous faites l'inverse, vous avez la représentation écrite, vous lisez à votre manière et puis vous cherchez à avoir le son, c'est difficile. C'est difficile de faire, de changer ça. Ça prend encore plus de temps. Surtout si vous voulez lire... Okay. Vous comprenez, non? Surtout quand vous voulez lire le mot en anglais, vous voulez le lire en italien ou bien vous voulez le lire en français, c'est compliqué. Ok, merci. Merci. En tout cas, ce premier moment a été un blocage pour moi au début. Mais maintenant, ça va. Dieu merci. Docteur G, oui, on vous écoute, Docteur G. Oui, c'est au niveau de human. C'est, on va dire human. Aha, bon. Le fameux mot. Human. Human. Donc, prononcez-le en deux temps. You. You. Man. Man. You. Ok, donc le H est mieux ici. Le H. Non, il n'est pas... Il se prononce comme yo. You. You. Comme huge. You. Comme yes. Huge. Ok, huge. Ok, huge. Huge. You. Man. Huge. Ok. You. Man. Donc, allons-y. Human. You, human.
Human. Human. Ok. Ok. Voilà. Human. Ça peut aller, non? Human. 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 Ok, on y va, je vous écoute. Francesca, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, coach. Merci. Je prononce aussi dans ma caméra. Allons-y. Si tu as des mots encore, c'est difficile pour la prononciation, des règles de grammaire que tu ne comprends pas, l'ordre de certains mots. Tout ça, c'est le lieu de poser ces questions. Et on parcourt ensemble avec le texte que nous avons à disposition. D'accord. Déjà, pour la première partie qui est là, là je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si vous avez pu continuer jusqu'à la fin. Non, non, on voit pour l'instant ce qu'on avait vu le dimanche passé. C'est la première page de l'histoire, c'est en deux pages. Donc, on est pour l'instant sur la première page. Donc, quand on va évoluer, d'accord. Si tu as des soucis, tu fais signe. Ok, donc pour la première page, ça peut aller. Ça peut aller, ok. Donc, merci. Merci. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. Il y a aussi la prononciation des H. Vous voyez, par exemple, his. Je n'ai pas dit is. Parce que quand vous dites is, et puis vous dites his, c'est deux mots tout à fait différents. His. H-I-S. Is, I-S, c'est différent. Donc, une fois qu'il y a le H ici, a priori, tous les H se prononcent en anglais, en dehors de quelques rares mots. Sinon, partout où vous voyez un H qui précède une lettre dans un mot anglais, vous devez prononcer le H. Helping, helping, his, his, him, him. Happy, happy, vous voyez, voilà, c'est important, c'est parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de confusion avec d'autres mots. One day, the shepherd, who, ici par exemple, W-H-O, c'est who, c'est pas who, c'est who, donc c'est comme si le W était muet. Who, vous who was taking the buffalo to graze? Alors d'abord, le premier paragraphe, on va parcourir les lettres qui sont dans le premier paragraphe. Donc, encore pour vous rafraîchir encore votre mémoire avec l'alphabet. On va finir ça et on va évoluer. Once upon a time, oh, N-C-E. Once. O-N-C-E. Ok. Ensuite. Upon. Upon. U-P-O-N. U-P-O-N. E. A. Time. Time. T-I-M-E. T-I-M-E. Time. When. When. W-H-E-N. W-H-E-N. Animals, 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 A, N, I, M, A, L, S, animals, still, 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 S, T, I, L, L, ou double L, S, T, I, double L, head, head, H,
H-A-D. H-A-D. The. The. T-H-E. Ability. Ability. A-B-I-L-I-T-Y. Alors, attention, vous voyez que ici, c'est dit, ce n'est pas dit the ability, mais c'est dit the ability. Parce qu'en anglais, quand le T-H-E est placé devant une voyelle, il se prononce I. Donc, au lieu de dire the ability, on dit the ability. On l'accentue. Donc, en l'accentuant, il devient the et non the. The ability. The ability. OK? The ability to. T-O. T-O. Speak. Speak. S-P-E-A-K. A. Huge. Huge. H-U-G-E. Buffalo. Buffalo. B-U-F-F-A-L-O. B-U-F-F-A-L-O. Was. Was. W-A-S. W-A-S. Living. Living. L-I-V-I-N-G. L-I-V-I-N-G. On. Uh-oh. On. On. O-N. The. The. Donc, vous voyez ici, j'ai pas dit the shepherds. Dit the shepherds. The. T-H-E. Shepherds. Shepherds. S-H-E-P-H-E-R-D. Apostrophe S. Shepherds. Farm. Farm. F-A-R-M. F-A-R-M. On the shepherd's farm. OK. Alors, on a largement fait cet exercice où j'ai appelé la dernière fois. Ce que vous aurez à faire, on va évoluer, mais ce que vous aurez à faire dans vos révisions, c'est chaque fois de vous référer à l'épellation que j'ai fait dans la vidéo précédente et au texte, et puis à mieux mémoriser les lettres de l'alphabet anglais. OK? Nous allons évoluer parce que nous devons voir la deuxième partie. OK? On doit voir la deuxième partie pour toujours vous aider à faire votre exercice de dictée. Mais avant qu'on ne voit la deuxième partie, je vais inviter Francesca, comme elle maîtrise plus ou moins la première partie du texte, à nous faire une lecture comme les autres l'ont fait. Alors, Francesca, tu veux bien nous faire la lecture du texte? D'accord, coach. Let's go. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo will be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf
suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Well, because I plow the shepherd's fields and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hands? No, it's not the cane that's magical. It's how wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. No, I can take this buffalo home if I want, but I'm very curious about this thing called wisdom too. Okay, good, Francesca. Thank you. Thank you very much. Merci pour la lecture. Ok. Donc, on va passer à la deuxième partie où nous allons voir la suite de notre texte. Mais avant, je vais vous donner le prochain challenge à faire avec cette première partie. Est-ce que vous devez vraiment vous... Je veux vraiment vous booster, vous aider à avoir le maximum pour réussir. C'est ce que j'appelle le fameux... En fait, c'est ce qu'on appelle le shadowing. Je ne l'ai pas inventé, c'est une technique qui existe. Le shadowing. Le shadowing... Si vous l'avez constaté, je l'ai fait plusieurs fois lorsqu'on faisait les premières séances où l'audio passait et puis je parlais en même temps que le son de l'histoire. C'est-à-dire, c'est placer sa voix, c'est superposer sa voix sous l'audio original. Mais ça, on peut le réussir quand on connaît bien le texte. Donc, moi, je peux bien faire le shadowing parce que je connais le texte, on va dire par cœur, à force d'avoir écouté et puis avoir lu. Maintenant, le shadowing, son avantage, c'est pour vous aider à avoir une bonne cadence, à avoir un bon rythme de parole, à bien manier, je ne sais pas si je dois dire manier, mais à bien, on va dire, bien articuler, bien avoir les mots anglais dans la bouche. Le shadowing. Excusez-moi, j'ai un peu de bruit à côté là. Moins de bruit, s'il vous plaît. Donc, le shadowing, c'est vraiment un exercice d'imitation. Je vous parle beaucoup d'imitation, mais ça, c'est l'imitation pas consécutive, mais l'imitation simultanée. Donc, je vais vous faire là maintenant le shadowing que vous serez invité à faire à la maison pour la semaine prochaine sur la première partie du texte. OK? Je vais jouer l'audio et je vais faire la lecture simultanément. Donc, je vous invite à suivre. Je vais remonter vers le début, voilà. Alors, je vais faire le shadowing. Vous suivez comment je le fais, c'est pas compliqué. On y va. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work. And the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them.
that buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Ahoo! I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez constaté dans cet exercice de shadowing? Je vous écoute. Et qu'est-ce que vous avez compris dedans? Oui, maman Anna. Bon, c'était un peu trop vite, mais j'essayais de suivre. Mais c'était... c'était la course. donc, justement, qu'est-ce que j'ai essayé de faire là? Qu'est-ce que j'ai essayé de vous démontrer, maman Anna? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre à travers ça? Vous avez le même rythme que la personne qui racontait l'histoire. C'est ça. C'était pour suivre, suivre mieux. C'est ça. Bon, parce que moi, j'ai compris. Hein. C'est ça. C'était pour... parce que redoublant la voix, c'est aussi un peu plus... Un peu comme, moi, j'ai... Comment dire? C'était la course, mais j'ai trouvé très intéressante. C'est ça. Merci, mon Hannah. J'ai encore le souffle. C'est rapide, comme mon Hannah l'a dit. Mais ce n'est pas que vous allez forcément parler comme la voix qui parle l'anglais. Moi-même, je ne parle pas l'anglais comme ça. Il faut qu'on soit honnête. Je n'ai pas un débit de parole très rapide comme ça. À moins que je veux ne pas prononcer, articuler. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une course et vous vous mettez dans la danse. Et ça vous aide à vous habituer à avoir la cadence. Par exemple, quand on dit once upon a time, once upon a time, once upon a time. Donc, quand vous le faites en même temps que l'audio, vous vous entraînez à avoir la cadence et la prononciation des anglophones natifs. Pas que vous allez forcément parler comme eux, mais ça peut vous exercer à mieux parler l'anglais. Donc, c'est pourquoi je vous disais la dernière fois que les exercices pour parler avec moi, c'est 80% du temps. Donc, même dans la lecture, même quand on a affaire au texte, il y a encore des exercices pour mieux écouter et mieux parler qu'on fait avec le texte. Donc, vous aurez bien entendu le texte en fichier PDF ou Word dans le groupe WhatsApp. Vous allez prendre, vous allez comparer vous-même avec vos manuscrits que vous m'avez envoyés. Vous allez voir la différence, vous allez corriger ce qu'il y a à corriger et puis vous allez vous appuyer sur le texte pour faire votre exercice de shadowing. Donc, cette première partie, vous le faites et vous l'enregistrez et vous me l'envoyez, tout simplement. Donc, pour le faire, c'est avec deux appareils, ça va encore plus vite. Mais même pas forcément avec deux appareils. Là, vous avez la feuille, par exemple, vous pouvez imprimer la feuille. Vous avez la feuille devant vous, bien si vous voulez, vous pouvez recopier, en tout cas, trouver toutes les astuces qui seront bien pour vous. Vous avez le texte devant vous et vous avez votre appareil. Et puis, vous lisez et en même temps, il faut que l'audio joue. Donc, c'est pourquoi je parle de deux appareils. Soit ce sera sur votre ordinateur, soit vous pourrez avoir, comme je l'ai ici, par exemple, j'ai un poste, petit poste radio MP3.
Voilà. On met une clé ou bien une carte mémoire. OK. Voilà. Et puis, ça joue. Voilà. Vous pouvez avoir ce genre de choses comme ça. Bon, en tout cas, avec la technologie. Ou bien, si vous avez deux appareils, deux téléphones, ça marche. En général, maintenant, on a facilement deux téléphones. Voilà. Donc, vous avez un téléphone qui joue l'audio. Et vous avez un téléphone qui vous enregistre en train de faire votre shadowing. Vous voyez? Donc, le plus important, comme je dis, c'est la participation. C'est de vous enregistrer à faire ce shadowing. Maintenant que vous avez le texte devant vous, vous avez encore plus de chances de mieux réussir la lecture. Mais le défi maintenant, c'est d'être dans le même rythme de parole que la personne qui parle. Donc, vous allez à un moment donné bien retenir votre souffle, faire les pauses où il faut faire les pauses, aller un peu vite là où il faut avancer, mais c'est un exercice puissant qui va vous aider à avoir une bonne cadence de parole. Et comme je le dis, je ne demande pas à ce que vous soyez parfait, c'est la participation qui compte, s'il vous plaît, la participation. On va continuer avec cette première partie du texte, pour que vous la maîtrisez bien et que vous réussissiez votre shadowing. Alors, je veux des volontaires pour essayer de faire le shadowing. Séance tenante. Des volontaires pour passer à la casserole du shadowing. Ça, ce n'est plus la lecture simple. C'est vraiment maintenant le shadowing. Oui, Francesca. OK, nous avons une première volontaire. Alors, Francesca, on commence quand tu es prête. Hein? Comme on dit en français ivoirien. Paix. OK, coach. C'est bon? Tu es prête? Oui, ça peut aller. Sûr. Oui, oui, il a respiré un coup d'abord. Ah, ok. Tu vas respirer un coup. Tu as fini de respirer? Oui. T'as pas allé, il y a plus de souffle. D'accord. Bon, à trois, on commence. D'accord. Un, deux et trois. Once upon a time, one animal still had the ability to speak. A huge buffalo was living on a shepherd farm. Coach, le son est faible, un peu faible le son. Pardon? Ou bien c'est faire exprès. Le son est un peu plus faible que lorsque vous avez la parole. Donc, j'avais réduit. Mais dans ce cas, il faut lever ta voix. Parce que dans le principe du shadowing, il faut que ta voix porte plus que l'audio. Ah, d'accord, ok, d'accord. Donc, tu lèves un peu plus la voix. Je vais lever légèrement le son. Donc, on d'accord, coach. Ok. Un, deux et trois. Once upon a time, one animal still had the ability to speak. A huge buffalo was living in the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work. And the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd who was taking the buffalo to graze sat under an apple tree to get some rest. At that moment, an hungry, tiny wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be great lunch for me. But I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Ahoo! I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human who has such powerful horns? Because I plow the shepherd's field and it feeds me the best food. How can the shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. What's that? That's not an answer. I can take the buffalo home if I want. But I'm very curious. I'm very curious.
about the thing called wisdom too. Not with me, but if okay. Good, 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 Francesca. Thank you. Okay, thank you, coach. Voyez, donc ici, elle a un peu souffert. On sentait vraiment un décalage. C'est pas vraiment superposé. On sentait que une phrase était pratiquement finie avant que tu ne la prononces en tant que telle. Alors que le shadowing, il faut vraiment être à l'affût. Et c'est cet exercice, en fait, que vous avez à faire. Être dans le temps. Si once upon a time, ça fait 2 secondes, il faut le faire en 2 secondes. Ah, je crois qu'il y a Gisèle qui veut essayer. Bonsoir, Gisèle. Bonne arrivée. Tu veux essayer? Bonsoir, oui. Alors, on y va. À 3, on commence. 1, 2, 3. Once upon a time, once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was sitting in the shepherd's field with, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, was picking the buffalo sat under an apple tree to get some rest. I have a few questions. The shepherd and the buffalo were I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Okay, great job, Gisèle. Wow. Merci beaucoup, Gisèle. Vous voyez? On a un peu le souffle coupé, mais c'est ça en fait l'exercice. Parce que la mâchoire, la langue, la bouche ne sont pas habitués. Et il faut vous habituer. Donc vous faites un travail de reconnaissance visuelle, en même temps de reconnaissance sonore, et en même temps de synchronisation de votre débit de parole avec le débit de parole de la personne qui parle l'anglais. C'est ça le shadowing. Vous voyez? Donc, je vais encore reprendre le... Merci beaucoup, Gisèle, pour l'effort. Je vais encore reprendre le premier paragraphe. Juste le premier paragraphe. Suivez un peu bien comment... Pour réussir, en fait, vous avez déjà le texte. Donc, ce n'est pas que vous allez deviner. Vous savez déjà ce que vous avez à dire. Le fait est que vous ne devez pas commencer avant l'audio. Et vous ne devez pas être trop en retard après l'audio. Vous voyez? Vous devez rester dans la cadence. Et vous devez surtout suivre la cadence, la mélodie de la personne. Tout ça est pris en compte, en fait. Ça vous permet de prêter attention un peu plus... de façon un peu plus minutieuse à la prononciation des mots, à la mélodie, si je dois le dire ainsi, des mots. Et puis, à la façon de vous approprier cette cadence-là. Donc, allons-y.
Suivez encore. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on a shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherds in the field work. And the shepherd was doing his best to make him happy. Donc vous voyez? Tac, 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 tac. Oui, Francesca. Quand tout à l'heure, quand je faisais mon imitation, j'ai essayé de vous imiter, c'est-à-dire la manière que vous procédez. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a seulement qu'un mot entre vous et l'autre, et la vidéo. Parce que très souvent, quand on vous écoute, on a comme l'impression que vous parlez au même rythme que le narrateur. Mm-hmm. Mais après, on se rend compte que peut-être qu'il y a un mot qui décale de quelques secondes. Ce n'est pas aussi évident de faire ça aussi. C'est pas facile. Non, je vous comprends. C'est pourquoi j'ai dit que... Moi, comme ça, soit je fais au même rythme, comme je connais déjà l'histoire, je répète au même rythme que la personne qui parle, ou bien je n'arrive pas, je dépasse la personne, ou bien même je suis en arrière. Oui. D'accord, on va se forcer. C'est ça. Alors qu'il ne faut pas dépasser la personne, il ne faut pas être aussi être en retard. Il faut tout faire pour être au milieu. Pourquoi j'insiste sur cet exercice? C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu du coaching en anglais ou de l'enseignement en anglais qui ne recommandent pas ça. Hein. Vous allez voir, vous allez peut-être tomber sur certains parmi eux. Mais personnellement, moi, je le recommande parce que c'est très utile et c'est très efficace comme exercice pour entraîner la mâchoire à bien prononcer les mots et à prêter attention. Ça entraîne le cerveau à être affûté par rapport au son anglais. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, je recommande et j'insiste pour que vous le fassiez. OK? Une autre personne veut essayer. Il y a Gisèle qui a essayé. Il y a Francesca. Oui, Dr. G. On peut se jeter un peu à l'eau pour voir? Justement. OK, donc on y va. À trois, vous commencez. Un, deux, trois. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work. And the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd was taking the buffalo to graze. An apple tree to get some rest. At that moment, a hungry running wolf came up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me. But I need to get rid of the woman. The wolf suddenly appeared before the buffalo and shepherds. I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about the cunning wolf. Why is the buffalo a human when he has such powerful horns? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? A magic cane in your hands? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd means. What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo if you want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Good! Good job, Dr. G. Merci d'avoir essayé. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça votre défi principal pour cette semaine à venir. Au passage, je rappelle que nous sommes dans le dernier mois, le quatrième et dernier mois de nos journées portes ouvertes et nous sommes à l'étape du texte. Chose promise, chose due. Nous décortiquons le texte et les mots et encore une fois les sons. OK? Voilà. Alors,
Après avoir passé un peu en revue votre défi, je vais prendre encore une dizaine de minutes, cette fois-ci pour balayer un peu la grammaire anglaise qui est contenue dans notre texte. Parce que quand on vient au mot, quand on vient à l'écrit, c'est pour beaucoup faire référence maintenant aux règles de grammaire en vigueur. C'est là qu'on va décortiquer certaines règles de grammaire. Mais ne vous prenez pas trop la tête. Ce n'est pas une grammaire compliquée que je vais vous faire faire, que je vais vous faire comprendre. C'est pour juste vous aider à mieux appréhender certaines réalités de l'anglais écrit. Donc, il y a des expressions toutes faites qu'il faut juste connaître. Et connaître ce que ça représente en français. OK? Quand on prend par exemple, once upon a time. Once upon a time, vous savez déjà ce que ça veut dire en français. Ça veut dire quoi en français? C'est simple, non? Once upon a time, c'est quoi en français? Hello? Il était une fois. Voilà, il était une fois, tout simplement. En anglais, on dit once upon a time. Once upon a time. Vous voyez pourquoi je devais normalement parler en anglais pour faire ce, entre guillemets, ce cours introductif de grammaire générale. Mais je ne fais pas en anglais expressement. Pourquoi? Parce que, avec la plupart d'entre vous, il n'y a pas encore une conversation. Vous ne pouvez pas encore converser aisément en anglais. Donc, tant que vous n'êtes pas à l'aise à vous exprimer aisément en anglais avec ou sans erreur, vous ne pouvez pas saisir un cours de grammaire fait en anglais. Ce n'est pas possible. Ce sera même contre-productif. Voilà pourquoi c'est mieux de vous initier en vous donnant certaines explications globales en français. Tout en espérant que dans un avenir plus ou moins proche, vous soyez à même d'utiliser déjà l'anglais pour vous exprimer, pour raconter des histoires, pour commencer. Et quand vous êtes à l'aise à faire cet exercice, on monte d'un cran en expliquant maintenant de façon simple certaines règles de grammaire que vous utilisez et là où vous ne devez pas faire certaines erreurs, sinon ça va prêter à confusion. C'est là que cette grammaire sera vraiment pertinente. Sinon, à part ça, si vous ne savez pas vous-même utiliser déjà les mots pour dire des choses basiques, vous n'avez pas besoin de cours de grammaire là maintenant. Et je le dis et je pèse mes mots. Ça ne vous sera pas utile. Vous voyez. Alors, once upon a time, when animals still had the ability to speak. Alors, globalement, dans la grammaire anglaise comme dans la grammaire française, ou certainement en italien aussi, il faut savoir que dans une langue, il y a deux grands éléments qu'il vous faut pour savoir parler une langue. Il y a le vocabulaire, qui est l'ensemble des mots, OK? Quand on prend par exemple « once upon a time », ça fait 4 mots. Voilà. On va compter au total. Quand vous aurez le texte, vous allez compter combien de mots il y a dans ce texte. Donc, le vocabulaire, c'est l'ensemble des mots. Et la grammaire, c'est l'agencement, le bon agencement des mots pour transmettre un message compréhensible. Si je dis « a time once », « a time upon once », les mots sont justes, mais l'ordre des mots n'est pas juste. Donc, on ne comprend pas ce que la personne veut dire. OK? Donc, c'est le bon ordre des mots qui est la grammaire. Donc, il vous faut le vocabulaire, donc un grand nombre de mots. Comme je l'ai dit, 3000 mots en moyenne pour bien converser, être à l'aise en 97% de la communication en anglais. Et il vous faut savoir les mettre dans un bon ordre pour être bien compris par ceux qui sont anglophones avec qui vous aurez à échanger. Dans ce grand ensemble, de mots, ce vocabulaire, et dans la manière de les agencer, les conjugaisons, les terminaisons, la manière d'accorder les mots, il y a des familles de mots auxquels il faut déjà avoir une notion.
il y a ce qu'on appelle les noms. OK, les noms. Il y a ensuite ce qu'on appelle les verbes. OK? Et après, il y a quoi? Les adjectifs ou les adverbes. Bon, c'est différent, les adjectifs, adverbes. Donc, en tout cas, il y a les noms qui sont les objets ou les personnes. Ensuite, il y a les verbes qui marquent l'action. Et après, il y a les adjectifs ou les adverbes qui qualifient une action ou qui qualifient un nom. En général, les adjectifs qualifient un nom et les adverbes qualifient une action ou voilà, une action ou un événement, ok? Adverbe de temps, adverbe de lieu et tout ça, voilà. Non, les adjectifs qualificatifs. Donc, chaque fois, ce sont ça en fait les mots clés dans votre conversation, dans votre communication. Quand vous dites quelque chose, la grammaire va vous emmener en fait à identifier qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'un verbe et qu'est-ce que c'est qu'un adjectif. Et l'adjectif est mis pour qualifier qui ou pour qualifier quoi. L'adverbe est mis pour quoi? C'est pour le temps ou pour le lieu et tout ça, et etc. Alors, donc, par exemple, dans notre premier paragraphe ici, vous allez identifier des noms ou les noms communs. Vous allez identifier des verbes. Vous allez identifier des adjectifs. Donc, pour pouvoir bien parler anglais, les mots dont vous avez essentiellement besoin, c'est ça, d'avoir dans votre vocabulaire, dans votre banque de vocabulaire, ce sont les noms. Ensuite, les verbes, après, les adjectifs ou les adverbes. Une fois que vous avez ça, vous pouvez déjà vous déployer dans la communication. Vous pouvez vous déployer dans la communication. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez peaufiner en ajoutant les déterminants. Les déterminants, vous voyez que ça, ce n'est pas des mots-clés, hein. Vous pouvez dire une phrase, même si elle n'est pas grammaticalement correcte, il peut ne pas avoir de déterminant, mais on peut comprendre votre message. Mais ce n'est pas tellement essentiel pour vous de véhiculer votre message à vous. Ce qu'il est essentiel pour vous de savoir, c'est qu'il y a un nom. Il y a un verbe. Il y a quelque chose qui qualifie. Ce n'est pas dans toutes les phrases qu'il y a des adjectifs ou des adverbes. Mais dans au moins la grande majorité des phrases ou des expressions, vous allez avoir un nom et vous allez avoir un verbe. Donc, on parle de qui ou de quoi et qu'est-ce que ce qui ou ce quoi fait comme action. Ça, c'est le verbe. Je viens de vous, entre guillemets, donner un cours simplifié de grammaire, si je dois le dire comme ça. Je ne suis pas grammairienne, mais il faut qu'on apprenne à aussi simplifier, pas de façon simpliste, mais il faut qu'on sache simplifier les choses. Il ne faut pas toujours rendre compliqué ce qu'on peut expliquer facilement. Donc, les noms, les verbes, les adjectifs ou les adverbes. Ça, ce sont vos mots-clés. Ce sont ces mots qui vont dicter votre communication, votre compréhension. Et après, les déterminants, voilà, les petites nuances, voilà, des petits mots à côté qui vont venir. OK? Si on prend notre premier paragraphe. Once upon a time. Jusqu'à happy. Ensemble, je voudrais que vous citiez uniquement les noms communs, OK? Qui sont dans ce paragraphe. Let's go! Give me the nouns in this paragraph. Oui, je vous écoute, hein. Ouvrez les micros et citez-moi les noms dans l'ordre tel que vous les voyez dans le premier paragraphe. Mm-hmm. Once upon a time when animals... Oui? Vous ne voyez pas les noms? Allô? Oui, 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 Ange. Animals.
Mais avant animals. Time. Okay, good. Animals. A huge buffalo. Avant huge buffalo. Ability. Good. Mm-hmm. Buffalo. Mm-hmm. Après. The shepherd. Okay. The shepherd. The buffalo. Avant buffalo et après shepherd. Farm. Good. Mm-hmm. The buffalo. Shepherd. The field. Mm-hmm. The shepherd encore. Avant le shepherd encore. Après field. Juste après field. Work. Work. Mm-hmm. The shepherds. Mm-hmm. Ok. C'est tout? C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Très bien. Donc, best. Là, ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Là, ce sont les noms. Maintenant, les verbes. Allons-y. The verbs. Bon, add, on a add ici. Mm-hmm. Was living. Avant was living. To speak. Good. Speak. To speak. Uh-huh. Was living. Was helping. Mm-hmm. And I was doing. Mm-hmm. To make. Good. Good job. Voilà. On a vu les noms. On a vu les verbes. Maintenant, les adjectifs ou les adverbes. Us. Mm-hmm. Open. A time. Mm. Ça, c'est adverbe, non? Once, peut-être. Once. Once, ouais, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Les adverbes d'abord. Oui. When. Ok. Still. Good. Mm-hmm. Happy. Happy, ça. Non, ça, c'est adjectif. Ah, ça, c'est adjectif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'adverbes. Donc, on saute en même temps sur les adjectifs. Donc, quels sont les adjectifs qui sont là? Adjectif. Huge. Huge. Huge, huge. Huge. Mm-hmm. Huge. Ok, ensuite? Happy. Best happy. Best? Hein? Et puis happy. Be happy. Yes. Ok, mais best ici joue plus le rôle de nom. Il devait être même cité comme un nom. Le nom. Voilà. Ah. Ok, oui. Good. Donc, vous voyez, connaître les adjectifs, les noms, c'est pas vraiment tellement compliqué puisque la grammaire, en fait, toutes ces langues gréco-romaines ou latines, je ne sais plus trop comment on les appelle, on a plus ou moins à peu près la même base grammaticale. Nom, adverbe, adjectif, verbe, ok? Il y a des langues où c'est tout à très différent, comme les langues asiatiques. Là-bas, la structure grammaticale est très différente, surtout quand il s'agit pour certaines langues de pluriel. Alors là, il y a des langues qui n'ont pas de déterminant, qui n'ont pas de pluriel, tels qu'on les connaît dans nos langues françaises ou anglais, ok? Voilà, donc, ces mots, normalement, ce texte, avec le nombre de mots qu'il comprend, vous devez emmagasiner ces mots-là dans votre banque. Et quand on fait le grand programme complet de Saving English Stories,
de 10 histoires, ça doit vous faire autant de mots que vous emmagasinez et autant de façons de les utiliser. Vous voyez, donc ça, à partir du texte, considérez que vous avez un texte et en vous abreuvant du texte, du contenu du texte, vous emmagasinez les mots dans votre mémoire. Vous avez la version audio, orale des mots et vous avez la version écrite des mots. Donc, vous validez le mot. Vous savez comment il se prononce. Vous pouvez l'identifier à l'oral. Vous pouvez le reconnaître à l'écrit. Vous pouvez vous-même l'employer une fois que vous savez reconnaître un mot à l'oral. Le reconnaître à l'écrit et l'utiliser. Alors, sachez que vous avez validé ce mot dans votre banque de mots, dans votre banque de vocabulaire. Identification orale, identification écrite. Et puis, emploi du mot. Quand vous validez ces trois éléments, vous avez validé la compréhension et la connaissance de ce mot. Et puis, vous arrivez. Mais pour ce faire, il vous faut beaucoup de répétitions de manière dont ce ou ces mots sont employés dans différents contextes pour mieux assimiler cela. Voilà pourquoi je vous bombarde d'abord compréhensible à l'oral. Je vous bombarde avec les audios, je vous bombarde avec les répétitions, avec les limitations et autres, avant de vous présenter le texte qui, pour moi, est comme la cerise sur le gâteau, qui va boucler la boucle. Voilà. Donc, votre exercice de la semaine, c'est de faire l'exercice de shadowing avec la première partie du texte et puis de mieux creuser encore. Lire, vous entraînez à lire. Vous entraînez à lire et puis après faire votre exercice de shadowing, me l'envoyer. Sur ce, nous sommes pratiquement à la fin pour la séance du jour. La conclusion, le mot de conclusion vous revient. Comment vous avez trouvé la séance du jour? Vous avez la parole. Oui, maman Anna. La difficulté pour moi, c'était dans l'alphabet parce que la prononciation des lettres, c'est tellement différent de la nôtre. Même le G, nous on dit l'Y. Et le G, nous on dit le G. Alors, et la A, E, moi maintenant je me le suis écrit parce que sinon j'aurais dit A. J'ai beaucoup de difficultés et aussi quand on est push et pusher les mots, j'ai des difficultés parce que quand on est push les mots, à des angles, quand on dit A, on dit hey, et moi je me trompe avec tout ça parce que quand on avait fait l'exercice, moi j'écris comme en italien, alors j'écris hey. Mais c'est inna pour moi, mais c'est pareil. Et là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés pour écrire tout ça. C'est ça. Sinon, c'était aussi de faire le même temps répété. C'est une marathon, vraiment, parce que j'essayais avec vous, mais c'est... Les personnes qui les ont fait, ils ont fait quand même beaucoup mieux que moi. Et encore une chose, je voulais demander, qu'est-ce que pour faire cet exercice, vous lui envoyez un petit, le petit, pour répéter avec, ou on doit nous chercher ça? Pour faire le même temps, le paragraphe qu'on doit répéter. Non, je vais vous envoyer le texte. Oui. Je vais vous envoyer le texte. Le texte, mais aussi pour faire le même temps. On a un petit film, quelque chose qu'on peut répéter avec. On doit chercher, nous, ça. Répéter quelle partie? Je n'ai pas compris. C'est le... Je ne trouve pas le mot. L'alphabet ou bien? Je ne comprends pas. Non, pour faire l'histoire le même temps que le narrateur. Ah oui, en fait, faire le shadowing que j'ai fait là. Le shadowing, oui. Ah, le shadowing, c'est-à-dire que vous faites comme j'ai fait en fait. Il n'y a pas une vidéo qui le fait en fait. Alors vous envoyez la vidéo, on pourra faire ça parce qu'on l'aura.
Oui, je vais vous vidéo. envoyer, je vais extraire la vidéo où moi je fais le shadowing et je vais oui, remettre ça dans voilà. le groupe. Voilà. C'est ça que je voulais voilà. savoir. Et aussi pour le texte, seulement qu'est-ce qu'on doit vraiment dire, non? Oui, le texte, il faut respecter. C'est la première. OK. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci beaucoup, maman Anna. Donc, les autres, c'est bon? Vous avez quelque chose à poser comme question ou comment vous avez trouvé aujourd'hui? Francesca, Gisèle, Ange et docteur. OK, coach. Oui? C'était bien, surtout l'exercice que j'ai eu à faire à Lee et à faire le shadow reading. C'était vraiment bien. Ça m'a permis de délier un peu ma langue. Voilà. Donc, merci, c'est un exercice à reprendre. Voilà. Reprenez autant de fois. Et n'oubliez pas, j'espère que vous continuez votre traitement de 50 écoutes par jour. Hein. 4 comprimés matin, 3 midi, 3 le soir, ou bien 3 matin, 3 midi, 4 le soir. Si vous devez continuer, vous ne devez pas arrêter. Vous devez continuer jusqu'à ce que vous soyez tellement habitué à la chose. Le plus difficile, c'est la constance, la régularité dans les efforts. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est quand vous êtes régulier, quand vous êtes constant, que vous pourrez récolter les fruits. Il n'y a pas d'autre baguette magique. Sur ce, thank you very much for today. Et je vous envoie le texte et je vous envoie les vidéos pour vous aider à faire votre exercice de shadowing ou bien shadow reading, comme Francesca l'a dit. Je dis shadow reading parce qu'il s'agit de lire en même temps que la personne. Mais sinon, c'est du shadowing puisqu'il s'agit de répéter en même temps que la personne parle. Et comme on dit shadow reading, c'est une lecture simultanée. OK. Thank you very much, everyone. Okay, merci, God bless coach. You. Have a nice bye week. Bye. Bye-bye. 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 Bye, coach. Bye.